シャボンディ諸島の戦闘で完全崩壊を喫した尿ヶ島に君臨する海賊女帝出航の前夜、ルフィは仲間と合流するよ。ルフィ、どうやらわらわが送ってやれるのはここまでのようじゃ。何言ってんだよルフィ。ここはそなたは強いが。よし、わかった。ゴムゴムのよし、とりあえず騒ぎは起こさねえようにしてた。Salut à toutes et à tous, c'est Silence Dark 59 et nous voici aujourd'hui pour la suite de mon Let's Play sur One Piece Pirate Warrior sur la PS3. Et cette fois-ci, nous nous retrouvons pour le chapitre 14 de ce Let's Play. Là, carré, okay. Là. Et donc cette fois-ci, on se retrouve à la prison Dipple Down. Oh putain, c'est quoi tout ce bordel? Donc là, vous pouvez vous apercevoir, c'est... Ouais, c'est fallu. Attends, on va entendre que les rayons se cassent. Voilà. Donc, après avoir été éjecté de l'archipel des Sabandi par Vincent de Coma, Luffy se retrouve à Amazon Lily. Sur l'île des femmes. Et il fait la rencontre de la belle Boa Hancock. Et donc là-bas, il apprend que son frère Ace est emprisonné. À Impel Down. Et donc il va tenter de le libérer. Donc vous voyez que c'est un peu le passage un peu du casse-couille du jeu. Il fallait vous parler là-bas. J'oublie toujours que je peux courir moi-même en plus. C'est vrai, j'ai complètement zappé. Donc là on va ouvrir la porte. Donc là il faut franchir les étages pour aller tout en bas de la prison. En fait, c'est une prison sous-marine. Plus vous descendez, plus vous êtes sous la mer. Et donc, son frère est totalement en bas du truc, en bas de la prison. Et donc là, on va rencontrer Baggy le clown. Et oui. Oh, c'est juste Baggy. Donc là, on va retrouver un peu nos anciens ennemis, hein, Baggy le clown. Il y a Mr. Tree, je crois. Et Bankley, hein. Donc pour l'instant on rencontre Baggy the Clown sur le premier étage. En fait c'est à chaque étage on va retrouver un ancien de ses adversaires. Et donc là on va bastonner avec Baggy. Mais Baggy est pas contrôlable je crois. Mais bon ça c'est pas encore trop grave. Donc là on voit que les ennemis sont un peu moins résistant que lors du chapitre précédent. Parce que franchement dans le chapitre précédent à la chapelle des Impel Down ils étaient vraiment costauds. Goal à Impel Down, un chapitre plutôt des Sabandi, excusez-moi. Ah putain il m'a shooté en forêt. Je vais bientôt monter un niveau a priori. Donc je sais pas si je suis obligé de tous les buter, on verra bien. Donc là il nous explique qu'on se trouve actuellement au niveau 1 d'Impel Down et qu'on doit traverser les 2 et 3 niveaux pour atteindre le 5. Donc après je dois battre les gardes pour ouvrir la porte. Ça parce que ça allait plus vite parce que là pour l'instant je suis en train de traîner à essayer là. Donc on va essayer de faire un épisode assez court hein. Et pas maintenir le truc pendant 307 ans. Mais bon, comme c'est l'action, pourquoi ils appellent ça de l'action? J'appelle plus ça de la plateforme que de l'action. Mais bon, on continue. Ouais, y a des coffres et tout, mais bon.
Donc là on avance vers le niveau 2. Donc a priori le boss de ce stage ce sera Magellan. Mais bon, ça on verra un peu plus tard. Bon, je peux oublier de les bastonner de toute façon. Ah si, faut battre les groupes de gardiens. Je repars en arrière. Là, faut appuyer sur croix pour se libérer. Merde, je tape dans le micro, désolé. Boum, il reste que 14. Allez, bam. Moi, je bazarde à mort, mais bon, rien à foutre. Donc il m'en reste un. Ouais bah Guy, t'aurais pu te le faire bien sûr, mais bon. Je vais le faire moi-même parce que sinon ça va mettre 3 heures. Donc là on a continué, donc après je dois laisser ça là-dessus je pense. Ah voilà. Là-bas il y a un coffre au trésor, mais bon. Ici, hop, donc ça c'est une pièce, ouais voilà. Donc là après on va passer au niveau 2. Normalement on doit se taper les bêtes démoniaques parce que normalement il y a des bêtes démoniaques aussi je crois dans ce stage. Est-ce qu'ils les ont fait ça, je sais pas. Pour enlever les boucliers, il n'y a rien de tel que le bazooka. Hein. Il ne reste plus qu'un. Voilà. Donc là, on continue. Ah, ça, j'ai compris. Donc, ça, c'est le truc de. Vous allez voir que ça va être très utile. C'est pour Baggy le clown. Hein. Putain, c'est quoi ça? Ah, ok, on sert des morceaux de corde de Baggy, ok. Que chaque partie de la prison a, comment pourrais-je dire ça, a une caractéristique spéciale quoi. Donc là c'est une sorte de forêt de roseaux, je sais pas quoi, qui coupe quoi. Et en fait chaque niveau de la prison c'est, oh putain c'est vraiment de la plateforme pure et dure là. Chaque niveau de la prison en fait c'est un niveau de danger pour les prisonniers quoi. Vous êtes niveau 1 si vous êtes faible et ainsi de suite. Donc si vous êtes plus bas vous êtes plus fort que les autres. Donc les plus gros les plus gros pirates j'allais dire, on peut dire ça comme ça, les plus gros méchants quoi, ils sont en bas quoi. Putain c'est quoi ça, merde je perds de la vie, comment on enlève ces trucs. Ça l'a bien couillé, c'est un truc là. Oh là 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 là. J'ai pas tout pigé, qu'est-ce que je devais faire là? En plus, on peut pas sauter donc je passe comment? Ah, il y a un interrupteur là, j'avais même pas vu, tu vois. Donc ça arrive au cerveau. Hein.
Coup de boule, mec. Bon, je suis passé, mais bon. Il n'y a pas eu trop de style, mais je suis passé quand même, quoi. Donc là, je récupère des prisonniers, a priori. Allez, Mr. Tree, là, regardez. Donc si vous vous rappelez, Mr. Tree, on l'a rencontré dans le chapitre de... Bah, normalement, il y a le chapitre des géants, mais bon, ça, ils l'ont pas fait voir, donc... Donc on l'a vu dans le chapitre de... avec Crocodile, le premier, quoi, le premier chapitre de Crocodile. Donc à... comment ça s'appelle, là? Putain, je m'appelle même plus de la ville de Vivi, quoi, ça y est. Ah, la Basta, voilà. Je l'ai cherché, je l'ai retrouvé. Donc c'est la première fois qu'on voit là, dans le jeu. Et sinon, normalement, on doit le capter dans l'île des géants, mais bon. D'avoir tous les gardes. Bah, il y a un peu plus d'action que les stages de Water 7, parce que le stage de Water 7 était vraiment tout pourri. Il y a quand même un peu plus de baston celui-là, même si c'est pas non plus folichon. Hein. Mais bon, Tom a tapé tous les gardes. Bien joué, allez hop. Donc là, ils croient qu'ils sont libérés grâce à Baggy, donc c'est un attrape-nigo, bien sûr, comme d'hab. Baggy aime bien profiter des situations. Dans toutes les situations, il profite de toute façon. En fait, c'est un pirate tout pourri, mais. C'est quand même un gros malin. Le bureau d'Anima Babal. Ouais, donc ça c'est peut-être le... Moi j'y vais un peu à la va-vite, hein. Faut pas m'en vouloir. Donc j'expédie avec mon pouvoir là, c'est plus facile, c'est plus rentable. C'est plus rentable, c'est-à-dire que je vois un truc toi. C'est plus rentable. Donc Anima Babal c'est lui, hein, donc il veut prendre la place du chef, hein, mais bon, ça... À la place de Magellan, quoi, mais bon. Tant que Magellan n'est pas battu ou qu'il démissionne pas, il prendra jamais sa place. Là, on saute. Hop. Regardez quand même. Derrière moi, s'il n'y a pas un coffre. Eh non. On continue. C'est un toilette, ça? Peut-être j'irai un shot. Bah, c'est un shot. Dans le manga, on voit pas le shot de l'autre, mais bon. Ils ont pris quelques libertés, on va dire. Franchement, là, je sais pas comment j'ai fait. Mais je voyais que dalle. Et là, j'ai raté mon saut. C'est magnifique. Vu que j'ai fermé le truc, on s'en fout. Donc là je récupère une pièce. Mon curseur là-bas. Vous voyez quand même la carence du gars, parce que vu la taille du PQ quand même et du shot, vous êtes putain Magellan, c'est quand même un sacré buff. Mais je vous dis que dans le manga on passe pas par le shot. Hein. Ça c'est un petit peu eux qui choisissent. Hein. Donc là, on va rentrer Mister 2, Mister 2 quoi. C'est bon clé. Hein. C'est bon clé. Donc lui, il nous aide à nous échapper de d'Alabasta. Oh tiens, une bête démoniaque.
putain, il m'a pris affreux, gros PD. Ouais, tiens, on va déjà le mettre ça dans ta tronche. Donc je pensais pas qu'on verrait une bête démoniaque. Oh putain, il y a quand même des gardes. Mais bon, moi je vais m'occuper plus du bête démoniaque que du reste. Voilà, on va faire un petit gros petit pouvoir. On va se transformer. De taper un peu plus comme un bourrin. Ouais, ok, quand je suis transformé, je prends la blinde de vie quand même. Et normalement, je devrais finir sur un gros pouvoir, voilà. Et voilà, normalement il est niqué, ça a été très rapide. Et les gardes ils ont peur. Donc normalement on va descendre au prochain chapitre. Au prochain étage, donc je sais pas si j'étais au quel étage. Ah, on va aller à l'étage 4. Donc là on arrive bientôt à l'étage 5. Donc je vais bientôt me taper Magellan aussi.麦ちゃん、ウェイ。マゼラン。麦ちゃん、戦っちゃダメよ。そいつはインペルダウンの監獄所長マゼラン。毒毒の実の能力者なのよ。毒毒。毒か。いかにもそうだ。 麦ちゃん、オートガスBSの元へは行かせやしない。麦ちゃん、急いでこっちへ。体中が毒で触れもしないおとこにあんた勝ち目ある？無駄だ。このフロアからの脱出口は全て抑えてあるのだ。貴様らの逃げ場などすでにない。そんな、ヒドラ。 Donc un petit QTE, donc là c'est le bataille contre Magellan, on va dire que normalement Luffy perd contre le premier combat, hein. Ça fait bien déglinguer la... Et donc on est parti pour le combat de Magellan. Allez, crève mon gros. On va pas essayer de se faire trop toucher parce que a priori elle est bien puissante mon copain là. Et que même si je suis au niveau je sais pas combien, il est quand même bien costaud. Putain, enfoiré. Donc là, je l'ai mis KO, c'est bien. Ouais, mais enfoiré, j'ai même pas le temps de me barrer, quoi. Donc a priori, je dois prendre ça. Et on va lui balancer à la gueule. Si j'aurais pu prendre ça, j'aurais fait dès le départ avec le début de combat, ça était plus rapide. Mais bon, on va profiter que j'ai compris le truc. Quoi, j'ai compris le truc. C'est comme ça, un homme poison, quand il est en poison, je peux pas le toucher. On est
Attends, je vais un peu tricher, je vais m'occuper. Je vais me cacher derrière ce truc. Ah putain, forêt de sa race. Le coffre là-bas. Voilà. Casse-toi, pauvre con. Oh putain, j'ai de la chance. Donc là, je suis à la troisième phase. Ça dans sa tronche. Après, je dois rééditer le truc a priori. Ah mais punaise. J'ai rien pris comme vie là. Non mais pourquoi il met le plan sur le truc là? Non mais casse-toi la caméra là. Putain, ça va être tendu du slip, je vous le dis. Ah. J'ai une de ces chances là, je vous le dis. Oh, j'ai de la chance. J'ai eu une de ces veines. Oreni hiza o tsukaseyou to wa. Da ga sono te ni tsuita doku wa juubun omae no shintai kinou o ubatte yuku. Mou ii daro. マゼラン所長、ご苦労様です。倒れた麦わらのルフィはいかように。やがて死ぬが、追っておいても邪魔だろう。レベル 5 の中央棟へぶち込んでおけ。 Ah, c'est déjà la fin du chapitre, ah bon, je pensais pas que ça allait finir comme ça. Donc, j'espère que cet épisode 14 sur One Piece Pirate Warrior vous aura plu. Merci à toutes et à tous de me suivre sur ma chaîne. Salut et à la prochaine!決死の覚悟でルフィを助けに来たインペルダウンレベル5の意識を失ったボンクレイはやがベッドから起き上がり部屋のよく眠れたかここはようこそここはインペルダウンレベル5
インペルダウンの奥深くには。そこでミスター2ボンクレーは助かる確率は数パーセント。地獄鎖につながれ苦悶の叫ガンバレー生きろ麦。治療の途中で激痛が消えることはメシ治った